Bonjour Mathilde, j'espère que vous allez bien. On est là pour ouvrir la case 8 du calendrier de l'Avent. Ça va trop vite. J'ai l'impression qu'on ne voit pas passer les jours. Mais c'est pas ça, on va commencer tout de suite. Oh ben oui. Hier, j'ai voulu faire un truc. Je pense que je vais tout ouvrir aujourd'hui. Parce que là, il n'y a plus rien qui tient. Regardez, il ne tient plus rien nulle part. Il y a... Du coup, on a eu une sucette. Je vais tout vous montrer. Je vais tout retirer. Là, le calendrier, il est pété dans tous les sens. Il tient plus rien. Du coup, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais plus les jours, mais c'est pas grave. On a une sucette comme ceci. On a une sucette comme ceci. On a des petits bonbons comme on a déjà eu. Voilà. Encore une sucette. On a un grand truc comme ceci. Après, on a encore deux bonbons que je vous ai montré. Il y en a 5 au total. Voilà. Après, on a dans les petites cases un menthol mini. C'est la menthe, celui-là, je crois. Après, on a encore une sucette. Là, on a le collier. On avait le bracelet. Et là, on a le collier. Là, on a 3 carambars. Je les prends d'un coup parce que comme ça, je vous montre. 3 carambars. Un fraise, un cerise et un citron. Ah non, c'est ananas. On dirait ananas. Là, c'est fraise. Le jaune, on dirait ananas. Voilà. Après, en petite chose, il nous restait la petite boîte comme ceci. Voilà. Et en jour, grand jour, on avait deux langues de chat. Voilà, à manger. Voilà. Et comme ça, la case est vite. Et je m'en débarrasse parce que hier, il s'est pété la... J'ai voulu l'arranger un petit peu, mais tout est tombé, tout est sorti, du coup, voilà. Du coup, vous avez vu, vous aurez la primeur de tout voir, tous les bonbons. Il n'y en aura plus pour demain. Mais c'est pas grave. Du coup, on va s'ouvrir les Pokémon, la case 8. Elle est à la fin de la deuxième rangée. Je vois pas. Oh, oui! Celui-là, je le veux bien. Lui, je le veux bien. Il a l'air un peu... bien fait, je suppose que celui-là vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Pikachu avec sa queue, il est bien fait, voilà, et en haut, il est mis pour courir, je sais pas où, voilà, il est bien fait, là, je suis d'accord. Après, on se fait Harry Potter, la case 8, elle est juste là. Et là, elle a toujours bougé dedans. J'ai pris le sachet. C'est, je vous voyais avant moi, moi je vois rien du tout. Oh, c'est Tom Jeu du Zor. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est trop beau. Avec ce. Et en dessous, il cache un serpent si je ne m'oublie pas. Il est bien. Ouais, il est bien fait. On voit bien, il a ses mains. On le voit dans le premier ou deuxième tome. On ne sait plus. J'étais dans le cul. Il y a longtemps que je suis levée. J'ai juste déjeuné et enfilé un t-shirt pour vous monter la vidéo au plus vite pour qu'elle ne fasse pas comme hier. Après, le deuxième calendrier Pokémon. Je suis un peu déçue parce que quand je regarde ce que Tiquicou, c'était aussi la marque Funko que j'ai pas su me procurer. J'aurais dû me le prendre. Oh, celui-là, il est bien fait. Manity. Manaton, Manity. Je sais jamais lequel c'est. Il a l'air bien fait aussi, celui-là. C'est déjà ça. Bon. Aujourd'hui, ça a l'air un peu mieux, le Pokémon. Du coup, après, on va se finir le plus beau. Enfin, ils sont tous beaux, après. On aime beaucoup, c'est le premier qu'on fait. Ah non, c'est le retourneau. Hier, on a déjà ouvert. Là. Hop là ! Lui aussi, j'ai dû la ranger. C'était hier que je vous ai dit. Tout le sachet, c'était parti. C'est normal, je le balade. Je le mets sur mon lit couché et après, je le mets debout à terre.
Et du coup, voilà. Je veux toujours rien. Noret. Orange. Qui sait. Ah, Pluto. Ouais, j'ai eu Pluto, mais en Noël. C'est vrai que ici, c'est plutôt normal. J'aime beaucoup. Il passe la langue avec son oreille. J'aime beaucoup. Et ça. En fait, c'est le même, sauf qu'il a son oreille qui change, je pense. Je pense. On va regarder ça. Si vous voulez qu'on regarde, c'est pas la bonne boîte. Hop. Il est où mon Pluto? Ah si, c'est le même. En fait, c'est le. Non, c'est pas le même. Parce que là, il y a les deux oreilles. Regardez. Les deux oreilles levées. Et il est plus orange en plus. Ici, il est plus jaune que là. Voilà. Notre Pluto. Et là, il a le sucre d'or. Et là, il passe la planque. Bon, j'espère quand même qu'ils vont pas faire que les mêmes, hein, parce que là, deux fois plus tôt, on aurait pu faire un autre personnage. Allez, on va faire le petit Jack. Petit Jack. Le 8. Je l'ai attrapé. On l'ouvre. L'espoir, il est blanc, encore un zéro. Ah non, c'est Jack, c'est Jack. Mais j'ai l'impression que on l'a déjà eu. Il faudrait que je regarde, mais je sens même plus. C'est pas grave, mais il est bien fait quand même. Voilà notre petit Jack. Mais ça va, on a des beaux personnages quand même. Je suis contente, je vais éternuer. Non, bah, il est ça, oui. Et le dernier, enfin le dernier calendrier, je vous baisse un petit peu, je ne sais même pas où est la casse-suite. Vous la voyez, c'est tellement, non, je vois la 18, elle est là, non vous l'avez même pas vue, elle est là, on la sort, hop. Je vais pas regarder les côtés, comme je vous ai déjà montré, la casse-suite. Il souffre comme ceci. C'est un produit. Woody ou Zoé? Quel est dans mon assiette? Voilà le produit. Du coup, c'est un le gel nettoyant ultra rafraîchissant. Peau normale ou mix. Voilà. Avec des petits. Bon, ça a l'air. Du coup, c'est pour laver le visage. Ça tombe bien, j'en avais pas et je voulais en essayer un pour faire avec mon appareil. Du coup, c'est un micro gloss oxygéné pour la peau, parfaitement nettoyant et rafraîchissant. Bon, il faudra que je teste et puis si ça va, aller rechercher. Parce que c'est vrai que ça. Il en faut toujours. Enfin, moi je le faisais au savon normal, mais j'ai dit que j'allais essayer de faire avec des bons produits. Et en plus, c'est 100% naturel. Enfin, non, c'est pas 100%, c'est 98% de naturel. Ingrédients naturels. Et sans sulfate. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Et ben, c'est tout ce que je disais. J'allais continuer. C'est tout. Là, il n'y a pas marqué grand chose. Je vais quand même la remettre. La casse-suite. Pourquoi je vais la remettre? Voilà pour la case 8. J'espère qu'elle vous aura plu. On a eu des belles surprises aujourd'hui. Voilà. Je peux pas tout vous montrer, mais en figurine, on a eu ceci. Elles sont très belles. On a eu le petit Magneton et Pikachu. Bon, les bonbons, je vous le remonte pas. Et ce produit. Et un tas de bonbons que j'ai tout ouvert. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et tous ceux que je vous vois qui regardent les vidéos et qui ne mettent pas un petit pouce, mettez un petit pouce. Ousmane, je viens vous faire je sais pas quoi parce que vous êtes trop loin peut-être. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la case 9.